C'est une figure du jazz afro-cubain qui est notre invité ce midi. Avant de s'installer sur la scène du New Morning ce soir à 20h30 et après le triomphe au Théâtre du Châtelet il y a 2 ans, Orlando Maraca est de passage dans notre studio pour le concert du jour. Il célèbre la sortie de son album Recuentros, mais pour l'heure, le voici en live avec à ses côtés Giovanni Hidalgo aux percussions et Mario Canonge au piano. Messieurs, c'est à vous. Thank you.
Fernando Maracavale en direct sur TSF Jazz. La musique, ça vaut mieux qu'un long discours. Bonjour, bon, bonjour Maraca, comment ça va? Bonjour, celui-là. Ça va c'est la folie. Il fait chaud. On a là. Fait une improvisation totale. C'est ça qui est bien. Qu'est-ce qu'on vient d'entendre là? C'était quoi le morceau? Bof, il faut le rappeler parce qu'on a fait un intro que je sais pas qu'est-ce que c'est un tumbao. C'est la musique de Caraïbes. Ouais. Et après, on a fait le danson siglo XXI. C'est une composition à moi et avec le maestro Mario Ganos et le maestro Giovanni Hidalgo, nous avons fait une improvisation. Et donc, c'est une de vos compositions et c'est un morceau qu'on retrouve sur l'album Recuentros que vous fêtez ce soir au New Morning. Cet album, il a été enregistré live. Au Grand Théâtre de La Havane. Oui. C'est une musique qui se vit surtout en live, surtout au public. Oui, c'est une musique qu'on a fait en différents formats. À La Havane, par exemple, on a fait ça avec une orchestre de cordes. Très grand. À Californie aussi, à Monterrey Festival, c'est le téléconcert original. On a fait avec 8 cordes, violon, viol, etc. Et après, on a fait avec des claviers, des synthés, des pianos, différents musiciens, Miguel Zanon, David Sanchez, Harold López Nosa, muchísimo. Beaucoup de musiciens de jazz, Hernandez. En fait. Ouais. Oui, c'est un projet entre le jazz, entre la musique cubaine traditionnelle et la musique classique cubaine et internationale. Pas cubaine. C'est pas un projet absolument cubain, c'est international. C'est vos deux musiques à vous, c'est vos deux racines, le jazz et la musique afro-cubaine. Pour moi, la musique, c'est une seule, c'est la musique. Ouais, de toute façon. Oui. Un petit mot sur le groupe ce soir au New Morning. Vous êtes en famille ce soir, c'est uniquement des amis? Et oui, c'est une descarga absolue. Ouais. On a fait des chansons, des morceaux de jazz aussi, des standards que normalement je n'ai pas joué. Donc, jamais. On va jouer pour la première fois ce soir. Par exemple, il y a quoi? Ce sont des compositions de Chick Corea, de Herbie Hancock, de Miles Davis. En plus, il y a des compositions à moi, il y a des compositions à Chano Pozzo. Ouais. Il y a tout. Le public parisien, il est comment? Excellent. Ouais. Il y a deux ans, vous étiez au Théâtre du Châtelet, c'était la folie. Oui. le public parisien, il accueille bien la musique latine, la musique cubaine. Oui, absolument. Il y a un vrai accueil ici à Paris, vous le sentez? Absolument, oui. Question que vous faites, c'est plus compliqué pour répondre à l'interprète. Que c'est pour essayer de parler en espagnol. Si, un petit peu espagnol pour que vous un peu. On va traduire. Je disais que la. Je me disais que c'est Paris, non? Mais Paris est une de las ciudades qui a plus appuyé la musique latine et la musique du monde. Donc Paris est la ville qui a le plus appuyé et a le plus aidé la musique cubaine et afro-cubaine dans le monde. Et c'est une des cités, une des villes repères. Et curieusement, le New Morning est l'endroit où le plus est tocado. C'est vrai que le New Morning, c'est l'endroit où j'ai le plus joué à Paris. Con millones de estilos, millones de grupos. Avec des milliers de groupes différents, des milliers de styles différents aussi, d'autres projets. Desde Papaito, Alfredo Rodriguez. J'ai joué à l'époque de Papaito, d'Alfredo Rodriguez avec eux au New Morning. Jazzman, No Jazz. Mais aussi avec des groupes comme No Jazz. Paquito de Rivera. Paquito de Rivera. De Valentín, ça a beaucoup de gens. De Valentín. Donc ce soir, vous serez un peu à la maison au New Morning. Ça se passe à 20h30. On fête la sortie de l'album Recuentros. Orlando Maraca, muchísimas gracias d'avoir été avec nous. Ce soir, vous pourrez retrouver ce concert en direct dans Jazz Live depuis le New Morning. Le disque est disponible aux côtés de Maraca. Ce midi, il y avait Mario Canonge au piano et Giovanni Hidalgo au congas, aux percussions.